L'Iliade, chapitre 1 Ulysse. Ulysse habitait sur l'île d'Ithaque avec sa femme Pénélope, une belle jeune femme brune qui lui avait donné un fils, le petit Télémaque. Ulysse était heureux, son île était riche, les cultures de blé, l'olive et l'élevage des moutons lui permettaient de vivre dans une grande aisance. Il possédait une belle maison perchée en haut d'une colline, au milieu des cyprès non loin de la mer. De sa terrasse, il voyait arriver les bateaux de très loin. Un soir, alors qu'il admirait le soleil couchant en compagnie de Télémaque, il crut voir une flotte énorme de bateaux de guerre qui s'avançait. Serions-nous attaqués, s'écria-t-il. Il appela ses esclaves et il demanda qu'on lui apporte ses armes. Apportez-moi mes armes, allez, allez les esclaves, venez ici. Mais Pénélope qui était resté tranquillement sur la terrasse et avait meilleure vue que lui, l'arrêta. « Non, dit-elle, ce sont les bateaux de notre roi Agamemnon. Il vient nous rendre visite, sans doute. — Visite Avec une flotte aussi nombreuse ?» L'Ulysse était inquiet. Lorsqu'un roi lui rendait visite, il n'avait pas coutume de se faire accompagner d'une armée. Aussi, est avec une certaine angoisse qu'il se précipita sur la grève pour accueillir son souverain. Lorsque le roi aborda, Ulysse remarqua que Ménélas, le roi de Sparte, et Palamède l'accompagnaient. Que les dieux te protègent, Ulysse. Commença le roi. Nous sommes venus jusqu'à toi, car nous avons besoin de tes bateaux et de tes hommes. Ulysse pria Agamemnon, le roi Ménélas et Palamède d'entrer dans sa demeure. Tandis que les esclaves apportaient des fruits et du vin, il alla revêtir sa tunique élégante, le chiton d'un jaune ocre, et revint prendre place sur le divan aux côtés de ses hôtes. Nous avons besoin de toi, Ulysse, reprit Agamemnon, car nous allons déclarer la guerre aux Troyens. Attaquer Troyes !» s'exclama Ulysse. Mais. Nous étions en paix avec cette ville. Plus maintenant, poursuivit le roi Ménélas, car Paris, le Troyen, a enlevé ma femme Hélène, et il l'a épousée. J'ai demandé à Priam, le père de Paris, d'intervenir pour que ma femme soit rendue. Mais il m'a répondu qu'elle n'était pas à Troie. Il nous faut attaquer pour venger l'affront. Je suis de cet avis ajouta Agamemnon, c'est pourquoi j'ai levé mon armée aux côtés de Ménélas. D'ailleurs, remarqua Palamède, ces Troyens sont bien riches, et nous aurions avantage à réduire un peu de leur puissance. Ulysse baissa la tête et se mit à réfléchir, tandis que ses hôtes mangeaient les fruits et buvaient son vin. Silencieusement, Pénélope, accompagnée de son esclave favorite, était venue s'installer à l'écart, sur un tabouret, et écouter la conversation sans rien dire. Mais, protesta Ulysse, c'est une folie! Cette guerre ne. Nous avons besoin de toi maintenant, et toute discussion serait une perte de temps! Laissez-moi cependant à interroger les oracles et les prêtres. Ils nous diront si cette guerre est favorable, insista Ulysse. Agamemnon fronça les sourcils. Mmh. Mmh. Quel que soit leur avis, nous nous battrons, Ulysse. Tu ne peux pas refuser de te joindre à nous, car tu deviendrais notre ennemi. Ulysse frappa des mains et ses esclaves coururent chercher les prêtres. Mais sait-on pourquoi Paris a enlevé Hélène demanda Ulysse. Je l'ignore, répondit Ménélas. On dit qu'il est fou d'amour pour elle. Tandis que les hommes parlaient, Pénélope et son esclave chuchotaient entre elles. Moi je connais le secret de Paris et d'Hélène, murmura l'esclave. Et comment le connais tu? demanda Pénélope. Un marin égaré m'en a fait le récit, il y a quelques jours. Voici ce qu'il disait. Hélène est une belle princesse de Sparte. On raconte que sa mère S'était unie à un cygne et qu'elle est née d'un œuf c'est pourquoi elle a la peau blanche et délicate léda s'est ensuite mariée à tyndare roi de sparte un jour tyndare a fait des offrandes aux déesses héra et athéna mais il a oublié Aphrodite, la déesse de l'amour. Aphrodite était furieuse, et elle a juré de se venger sur Hélène, prédisant que le malheur pèserait un jour sur la jeune fille. Cependant, à Troie, le roi Priam et la reine Écube avaient eu un garçon. À la naissance, les prêtres avaient supplié le roi et la reine de tuer le bébé, car, disaient-ils, il allait amener le malheur sur Troie. Le cœur brisé, le roi ordonna à un de ses capitaines de tuer l'enfant. Mais le capitaine, Agélaos, n'en eut pas le courage. Il cacha le petit garçon dans sa propre maison, lui donna le nom de Paris, et l'éleva dans la montagne comme son fils, où il devint un beau berger. C'est ce Paris-là qui a enlevé Hélène. Un jour, Zeus, dieu des dieux, laissa tomber. Devant les pieds de Paris, une pomme d'or, et lui demanda de la remettre à la plus belle des trois déesses, Héra, Athéna ou Aphrodite. Comme Paris hésitait à choisir, chacune lui fit une promesse pour qu'il lui donne la pomme d'or. Héra, la richesse, Athéna, la gloire, et Aphrodite, la plus maligne, lui promit de lui faire connaître la femme la plus aimable et la plus belle du monde, Hélène de Sparte. Cette Hélène paraissait si merveilleuse que Paris donna la pomme d'or à Aphrodite pour l'obtenir. C'est à partir de ce moment que commencèrent les malheurs de la ville de Troie et ceux d'Hélène. Ainsi la vengeance d'Aphrodite allait s'accomplir. En faisant tomber Paris amoureux d'Hélène, elle semait le désordre dans toute la Grèce et dressait l'un contre l'autre les royaumes. Voilà, maîtresse, pourquoi Paris a enlevé Hélène. Oh il faut expliquer cela au roi Ménélas. Paris et Hélène ne sont pas fautifs. C'est la faute d'Aphrodite! s'exclama Pénélope. L'esclave secoua la tresse tristement. C'est inutile, maîtresse. Les hommes ont décidé de faire la guerre. Peu leur importe qui sont les coupables. Au même moment, les prêtres arrivaient. Ils ouvrirent le ventre de deux poulets et les examinèrent en silence. Puis l'un d'eux commença à parler d'une voix monocorde. Si Ulysse part en guerre maintenant, dit-il, il sera absent pendant plus de vingt ans, et il rentrera chez lui seul et pauvre. Puis il emporta les poulets et disparut sans autre explication. Vous avez entendu s'écria Ulysse. L'oracle est mauvais. Je dois rester. Je ne dois pas aller à Troie. Aussitôt Ménélas et Agamemnon s'insurgèrent. Ils se mirent à parler avec colère, reprochant à Ulysse sa couardise. Comment oses tu? Tu dois nous aider, c'est ton devoir. Autrement, tu es notre ennemi. Mais, dis-moi, reprit Pénélope, comment ce Paris a t-il pu aller jusqu'à Troie? Il n'était qu'un pauvre berger. Il était fils de roi, ne l'oublie pas. Peu après avoir donné la pomme d'or à Aphrodite, il a participé à des jeux d'arène, et il a gagné tant d'épreuves que les princes de Troie, jaloux de lui, voulaient le faire assassiner. Mais Agélaos, son père adoptif, veillait sur lui. Il courut prévenir le roi Priam et la reine Écube que le fils qu'il croyait mort était encore vivant et devait être sauvé. Priam et Écube étaient si heureux de le retrouver qu'ils lui ont ouvert les bras. Les prêtres ont prédit que Paris ferait le malheur de Troie et qu'il fallait le tuer. Mais Priam et Écube ont refusé. Paris a donc retrouvé sa place de prince. Et quand il a voulu se marier, il est allé voir Aphrodite qu'il a dirigée sur Troie avec son bateau. Voilà, maîtresse. Quelle belle histoire. Soupira Pénélope. Dommage qu'à cause de cela, mon Ulysse me soit enlevé! Cependant, un silence pesant était tombé du côté des hommes. Ulysse était sombre. Enfin, il proposa à ses hôtes de se reposer. Et tandis qu'Agamemnon, Ménélas et Palamède prenaient place sur leur couche, il se mit à réfléchir aux moyens d'éviter la guerre de Troie. Soudain, une idée lui vint. Il allait simuler la folie et les rois le laisseraient en paix. Il ne dormit pas de la nuit, tant l'élaboration de son plan le préoccupait.